Advocacy. Dans quelques secondes, donc, le départ de cette quatrième course, The Brand Active Cup. Le favori, c'est le 1, Admiral's Cup, sous la selle de Calo. Voilà, départ de cette quatrième course, avec un très bon départ complètement à l'extérieur de Catch the Goose. À l'intérieur, il y a Addition, puis arrive Advocacy. Admiral's Cup se trouve en troisième épaisseur, au poteau du 1200 mètres, avec Catch the Goose complètement en dehors, sous la selle de Cédric Séjon, qui va essayer de prendre le commandement. À l'intérieur, il y a Advocacy, puis arrive Addition. Made of Steel complètement en dehors, quatrième position. Admiral's Cup est cinquième, bien suivi par Dupont Circle Cassido. Au poteau du 1000 mètres avec Advocacy qui garde le commandement. Advocacy avec en son extérieur Catch the Goose. Puis arrive Made of Steel qui est troisième. Addition est quatrième. Juste derrière arrive Admiral's Cup à son extérieur Cassido. Puis arrive Dupont Circle, Balito Boy et en dernière position Firebolt. En pleine descente bientôt dans quelques foulées à 600 mètres de l'arrivée avec toujours Advocacy et Catch the Goose. Made of Steel est troisième à plusieurs longueurs, 7 ou 8 longueurs. Derrière arrive Addition, Admiral's Cup, Cassido. Puis arrive Dupont Circle. Balito Boy en dernière position, toujours Firebolt. Dans quelques foulées, on va aborder la dernière ligne droite avec une lutte sans merci entre Advocacy, Made of Steel et Catch the Goose. À plusieurs longueurs derrière arrive Admiral's Cup sur la selle de Calleux. Dans la ligne droite finale maintenant avec toujours Catch the Goose à l'extérieur de Made of Steel, Catch the Goose. Admiral's Cup tente de revenir. Admiral's Cup passe à l'extérieur de Made of Steel. Admiral's Cup va s'imposer dans cette quatrième course et triplé pour l'Ekeruiga Jeddah avec Admiral's Cup qui a profité d'un train très très rapide dans cette quatrième course. 3e victoire de la journée pour l'Ekeruiga Jeddah.